Alors, The Culling, je vous présente le jeu vite fait, en 2-2. C'est un jeu donc de survie, multijoueur. Ça s'inspire carrément de Rust et Ark et tous les jeux de survie. Sauf que là, c'est beaucoup plus nerveux dans le sens où, voilà, c'est des parties. Ça dure quoi, un quart d'heure, 20 minutes la partie. On doit se crafter des armes, etc. dans un monde assez ouvert. Donc, on est parti. Je vais juste vous expliquer encore 2-3 trucs. Alors, on se crée son personnage. Ici, on peut choisir des atouts comme dans Black Ops, ok? Des capacités qui vont vous aider au cours de la partie à survivre. J'ai pris donc le truc qui permet de réduire les dégâts de 10%, le truc qui permet de régénérer sa barre de stamina de 50%. Donc la barre de stamina, c'est ce qui permet de... C'est l'énergie que vous mettez, vous savez, ça permet de courir, ça permet de frapper. Quand vous avez plus de stamina, bah vous pouvez plus rien faire, lol. Et 10% de rapidité, d'accord? Il y en a vraiment plein, hein, les attaques, la défense, les trucs bonus, etc. Vous pouvez choisir aussi un airdrop. Donc un airdrop, c'est quoi? C'est une caisse qui va être jetée depuis un drone dans le ciel. Donc, vous pouvez choisir votre airdrop. Donc vous avez plusieurs styles d'airdrop. Taut, je sais pas ce que ça veut dire. Taut. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Mais c'est celui que je prends. Donc avec un gros marteau, une armure et Iron Skin. Donc un truc qui permet de réduire les dégâts de 15%. Vous en avez plein, vous pouvez prendre aléatoire. Vous en avez plus des offensives, d'autres plus stratégiques, etc. Outfit, c'est la poire. La poire que vous vous tapez. Bon bah moi j'ai mis un masque pour faire peur. Voilà, on va tout de suite lancer la première partie. Free for all, donc c'est du chacun pour soi. On est 16 en tout et il y aura un seul survivant. Voilà, vu que j'avais gagné 1$ avec un skin Counter-Strike que j'ai vendu il y a longtemps, il m'a coûté 12€. Et franchement, pour le divertissement que ça apporte, c'est une super affaire, hein, parce que franchement, c'est très rigolo. Ça fait peur un peu, c'est stressant. Vous savez que j'adore stresser, mais ça fait pas trop peur non plus, les gars. Pas trop peur. Donc que voulez quoi? Rockstar, connecte-toi, Rockstar. Ok, donc ça commence. Ok, bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. C'est une partie de chauffe. C'est très dur, hein, souvent je me fais éclater. Hein. J'ai fait quelques parties. Je me fais juste complètement défoncer, hein, donc voilà. Donc vous commencez là-dessus. Vous voyez, dans un sur une île comme ça, hop, et vous devez ramasser alors des objets, donc des pierres, des bois, et vous allez devoir les assembler pour fabriquer des armes, tout simplement des pièges, des armes. Et à chaque fois que vous assemblez quelque chose, que vous utilisez en gros la capacité de crafter, de créer quelque chose, ça va vous pomper de l'énergie, et l'énergie elle est en bas à gauche. Vous avez la barre de vie en bas à gauche, sans la barre de stamina juste au-dessus. J'ai entendu un bruit, mon gars. Et vous avez juste au-dessus, c'est la barre d'énergie. Donc ça s'appelle le funk, je sais pas pourquoi. Voilà, donc et l'énergie, vous allez pouvoir en récupérer sur des trucs comme ça. En récupérant des cadavres, c'est un peu dégueu, lol. Un peu dégueu. Vous allez pouvoir en récupérer via d'autres méthodes que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Je vais juste essayer de pas me faire botter les fesses. Et vous voyez, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit le tableau des scores ici avec tous les participants. Moi, je suis tout en bas, là, Jean-Kevin. Et vous voyez les gars qui meurent, les gars en vie, etc. Les gars qui ont fait des kills, etc. Donc, on va fouiller ce bâtiment, on va essayer de s'en sortir. Alors, ça, je peux pas l'ouvrir, il faut de l'énergie, j'ai pas d'énergie. Alors, je vais essayer de trouver un truc pour pas me faire éclater, s'il vous plaît. Eh, tout est vide! Tout est vide, mon gars! Non, s'il te plaît. Ah, mon gars! Ah, mon gars! Un bras comme ça! Bon, ça fait de l'énergie, mais... C'est dégueulasse! Allez, vite, faut se dépêcher, parce que n'importe... Un joueur mal intentionné peut venir à n'importe quel moment, donc faut... Explosive Runs. Ok, ça, c'est une piqûre qui permet de courir un peu plus vite. Ça sert strictement à rien dans l'immédiat. Que dalle, là. Que dalle, ici, je me fais troller! Ah non, ça... Kikou va... M'a fait peur, Kikou va... Ouf, ça, quoi. Ah, j'ai cru que ça commençait, lol. Alors, je vais essayer de me fabriquer un couteau vite fait, là, parce que je sens que... Alors, on a l'inventaire en bas à droite. J'entends des bruits de pas, donc ça commence très mal. Ça c'est un piège. Vous pouvez le poser par terre. Ça, c'est un piège. C'est cool, j'ai que des pièges. Bon, je vais l'utiliser. Ah, le bruit là en fait que vous entendez, c'est des caméras de surveillance, donc parce que c'est une télé-réalité à la base. Hop, un peu en mode Koh-Lanta version extrême, quoi.
Voilà, un petit couteau. Je me fabrique une hache, mon gars. Allez, les cailloux, plus les cailloux, plus les cailloux. À la fin, ça fait une hache. Hop! Ah là, je suis super violent, là. Vous pouvez les jeter, hein. Tous les objets que vous avez, vous pouvez les jeter dans la poire des ennemis. Si vous êtes en panique, vous pouvez leur refaire le dentier. Alors ça, ça peut être utilisé comme piège. C'est une bonbonne de gaz ou ça peut être utilisé pour recharger certaines armes. Ah, il y en a un qui vient de crever, rip sa vie. Comme bagel, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc là je vais pas l'utiliser, mais genre par exemple s'il y a quelqu'un qui me course et que j'ai pas d'arme, bon à la limite je peux essayer d'activer ça pour le disperser. Ça, c'est une plateforme qui permet d'appeler un airdrop. Et pour avoir cet airdrop, il faut beaucoup d'énergie. Là, vous voyez, il faut 115. Moi, j'en ai que 16, donc creep ma vie. Je peux manger des cacahuètes en attendant. Ah, ça c'est... Ah, quelle horreur! Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Mais il y a pas mal de trucs ici, c'est cool. Ah, si je vais pouvoir fabriquer une sarbacane. Hop, alors ça c'est cool, la sarbacane, ça permet d'empoisonner vos ennemis. Après, ils sont obligés de vomir, genre toutes les 10 ou 15 secondes, ils vomissent. Et quand ils vomissent, forcément, ils peuvent pas courir. J'entends des bruits chelous là. Alors, vous avez moyen de vous abaisser pour pas faire de bruit, hein. Est-ce que les mecs peuvent sortir de n'importe où, hein? Je vois des gens. On va se cacher. Ah, y'a une baston. J'entends des bruits. Y'a une baston. Mais casse-toi, toi, foutu tronc d'herbe, mais... Ah, il m'a vu. Je l'ai touché, je l'ai empoisonné. Je vais lui faire un piège. Allez. Je vais faire un piège. Je vais le rusher parce que là il campe près du... Raté. Ah, tu vas... Je vais te découper, mon gars, tu vas pas comprendre. Vas-y, viens. Vas-y. Il a plus de vie. Crève, en fleur, crève. Il est mort. Personne m'a vu. Oh, crève, je te dis. Alors, il a un sac, alors ça c'est cool. Hop. On va récupérer son sac, ça permet d'avoir plus de... d'inventaire. Plus de place, donc là... Voilà, prendre ça. Fabriquer des bandages. Voilà, pas mal. Et il a pas laissé tomber son arc, ce Kiku. Ah si, là. Ah, ça, c'est trop bien. Allez. Comment on fait déjà pour ça? Bon, j'en ai déjà buté un, donc ça, c'est cool. Celui-là, moi, regardez. C'est quoi ce bruit? What the fuck, y'en a un qui a déclenché le piège à gaz. Faut pas rester dans le coin, les gars. Ah, il a buté un autre mec qui était là. J'avais pas vu. Faut pas rester là. Je suis combien là? Je suis dans les derniers survivants ou pas? Ah, je suis dans les 10 derniers. Ah, y'a un mec. Ah ouais, mais j'ai pas ma sarbacane, j'ai plus de munitions. Boum! Touché. Le problème c'est que je peux me faire attaquer par derrière, quoi. Il est parti où, ce qui court? Il est parti où, le mec? Ah, il est en train de me la faire à l'envers là. C'est une partie bizarre, ça. J'ai pas eu. Moi, je vais m'en aller. Ah, je l'ai touché, il est parti, ce Kiko. C'est quoi ça? Ah! On m'a tiré une flèche, je crois, là. Ah non! Casse-os! Ah, je suis obligé de vomir. Non, c'est pas le même, hein. Non, c'est pas le même. Ah, je suis encore obligé de vomir. Ah non, je me suis fait... Ah, il m'a bien eu, ce Kiku. Vas-y, reviens.
Je vais essayer d'aller me soigner. Il faut que je trouve des trucs là. Là, là. Il est où? J'espère qu'il me suit pas, le mec. J'espère qu'il va pas me suivre. Kiko, Kiko, Kiko. Le mec, il s'est pris pour un indien dans la ville. Le mec, il utilise que sa sarbacane. Ah, regardez là-bas, regardez, vous le voyez? Voilà. Moi, je vais me faire des munitions. Je vais pas faire le Kiko à rocher là. Go faire des munitions. Alors, est-ce que tout a été ouvert ici? Ah non. On va fermer la porte histoire d'être tranquille et puis. Voilà. Bon, ça. Bon, ça, le Kiku, s'il essaye de passer, il va se péter la gueule. Lol. Alors, ça, je peux l'ouvrir. Ça prend 50 d'énergie, j'ai 78. C'est quoi? Une hache. Oh, elle a l'air violente, mon gars. Mon gars, elle a l'air violente. J'aimerais pas me la prendre en pleine face, celle-là. Lol. Il y a un bruit bizarre, là. Mon gars, j'entends des bruits bizarres, je te dis. Bon, on va sortir. Ça marche pas contre nous, le piège. Hein. Pour fabriquer des munitions avec l'arc, il faut des bouts de bois. Pour fabriquer des munitions de sarbacane, il faut aller sur les bouteilles de gaz que je vous ai montré tout à l'heure. Coucou la caméra. C'est quoi ça, The Shocking? Use the Master Gas Switch in the center, tu vois. Ah, d'accord, le mec, il peut activer toutes les bonbonnes de gaz. Il peut gazer... What? What explosion? C'est quoi ce délire? What, 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 what? What, faut courir, faut courir, courir, courir! Faut pas aller dans le verre, hein, vous savez. Courir, 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 courir. Je sais pas à quoi ça sert les caméras là. J'ai fouillé ce bâtiment, lol. Y'a quelqu'un? C'est Jean-Kevin. Alors vous voyez. Attends, j'attends qu'il ferme sa bouche, l'autre. Voilà. Vous voyez ça? Ça, on peut, c'est une caisse, on peut l'ouvrir, mais il faut 50 de funk, donc de l'énergie. Oh, what the fuck, je suis piégé. Non, c'est quoi ce délire? Non, non. Non. Comment je fais pour me délivrer, mon gars? Ah, faut... Allez, mais... Je l'ai même pas vu, son truc. D'une violence, j'ai cru qu'il avait... Ah, mais il est sérieux, ce mec. Mais c'est quoi ce délire? Mais il se fout de ma part, le mec! Je suis en train de crever là, j'ai perdu de la vie! Eh, hey, hey. Eh! Ah, chaque fois que tu repasses devant! Ah, le sagouin! Ah, le salaud! Ah! Ah, il m'a bien eu! Ah, tu te reprends à l'infini le truc! Faut contourner! Ah, j'ai plus de vie, il m'a mérité sa vie! Alors, vous voyez, ça, c'est des distributeurs. Vous pouvez échanger des. Là, tu peux échanger des objets pour avoir de l'énergie. Genre, je vais changer ça, moi. Oh non. Oui, ça, sérieux. Il m'en faut 50. J'ai changé ça. Hop. Et là, il m'en faut 3. Et puis, je vais me débarrasser de ma sarbacane. Hop. Voilà. Et là, maintenant, non, je peux... Alors, il est pas là, le piège. Il est de l'autre côté. Je peux aller ouvrir la caisse. Qui était, voilà, là. Et ça va m'enlever 50 de... Voilà. Et dedans, il y a quoi? Un stun gun. C'est un taser, mon gars. Ah, d'accord. Quand t'es au corps à corps, en gros, tu peux assommer quelqu'un avec ça. Ok. Bon. Je vais utiliser les deux points d'énergie qui me restent pour récupérer un peu de vie. Voilà, bon, c'est pas grand chose. Mais... Voilà, bon, bah maintenant il reste qui là? 1, 2, 3, 4. On est plus que 4. Je commence à flipper, je commence à flipper là. Non, mais il faut que je trouve de la vie parce que là j'ai aucune chance là. Je sais plus comment on fabrique un truc pour se soigner là. Oh, oh mon gars, j'ai entendu un bruit, j'ai entendu un bruit. Eh, hey, j'ai des oreilles, je sais qu'il y a un mec là, je sais qu'il y a un mec. J'ai entendu un bruit de fermeture, le mec, il y a sûrement... J'ai encore entendu un bruit, j'ai encore entendu un bruit. Prends-moi pour un âne, prends-moi pour un âne. Je sais que t'es là, je sais que t'es là. Oh non, y'a personne. Y'a un mec là-bas, y'a un mec là-bas, regardez. Il m'a pas vu, il m'a pas vu les gars. Go opération, opération anti-Kiku in the jungle. On est plus 3, on est plus 3. Je l'ai repéré, il est là. Là, 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 là. Il m'a vu ou pas? Non, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Vas-y, go, go, go. On va à la chasse au Kiku, on va à la chasse au Kiku. Il est là, il est là. Attention, attention, il va peut-être me voir. Oh mon gars, c'est quoi qu'il a? Ah non. Ah, oh, je l'ai tasé, mon gars. Oh mon gars. Ah.
Oh non, j'ai jeté... Oh, je me suis trompé de bouton. J'ai plus qu'un caillou. Ah, je crevais. Non, j'ai jeté mon... J'ai jeté ma hache comme un kikou, je me suis trompé de bouton. Ah, je te vomis. Sauf qu'il passe. Oh, c'est glace. Non.